donné son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre. Monsieur le Président, est-ce que ces vers vous disent quelque chose? Qui c'est qui a écrit ça déjà? Boris Vian. Ah ouais, dans les années 50. Alors que l'armée française était très engagée dans la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, Boris Vian avait écrit cette chanson et qu'elle avait un petit peu déstabilisé le pouvoir en place parce que tout bonnement, elle a été interdite par l'État français. Et aussi probablement que cette chanson a pu raccourcir la guerre d'Algérie d'à peu près 2 ans. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe. Elle se moque des bombes, elle se moque des vers. Quand j'étais en prison, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Une autre chanson, à peu près à la même époque, fait le même effet. Interdiction par l'État français. Qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est Quentin Soldat. Quentin Soldat, écrite par Francis Lemarque et chantée par Yves Montand. Fleurot. Fleurot, fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été
qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Alors des chansons interdites, il y en a depuis longtemps. Même à l'époque médiévale, les mercenaires suisses, qui étaient des combattants aguerris, étaient engagés chez les rois francs et avaient l'interdiction de chanter une certaine chanson qui leur rappelait beaucoup trop leur pays natal. Ouais, parce qu'après, ils se rappelaient tellement de la Suisse qu'ils se mettaient à pleurer. Ils déposaient les armes et même des fois, il y en a qui rentraient à la maison, hein, carrément. Ouais. Donc, interdiction de chanter cette chanson sous peine de mort. Et puis, aujourd'hui, eh ben moi, j'aimerais rechanter cette chanson en lui donnant un autre regard, peut-être un nouveau regard, parce que c'est une chanson qui traite de la traite des vaches. Et j'aimerais rendre un hommage à toutes ces vaches qu'on exploite, en fait, aujourd'hui, tous les jours. Des veaux qui sont séparés dès la naissance, dans des petits enclos qui ne peuvent presque pas bouger. Alors avant, on chantait cette chanson par amour des vaches. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui, l'amour des vaches, si ce n'est de les exploiter tous les jours. Donc repenser le pouvoir, c'est aussi repenser le pouvoir qu'on exerce sur les animaux. Sur la nature et sur notre écosystème. Thank you.
certaines chansons n'ont pas été interdites. Peut-être parce qu'elles sont trop jeunes, peut-être parce qu'elles sont pas assez connues. Quoi qu'il en soit, c'est nous qui les avons écrites. Alors repenser le pouvoir, ça peut se faire. Mais sans changement, il n'y a pas grand-chose. Le temps coule dans la passoire de l'existence, noyé dans la foule à quatre pattes. On danse. On presse, on écrase, on torche. Rien dans la tête, tout dans la Porsche. À tombeau ouvert, on ne voit pas ses dires. Les frontières se faire et les murs se construire. Morceaux de rêve, éclats de rire. Parfois je me demande ce qui nous fait tenir. La passoire de l'existence, se noyer dans la foule à quatre pattes, on pense et on dépense. Nos poisons, nos prisons, nos désirs, ce que l'on possède ou ce qui nous possède. Vite, à quoi bon courir et cette ceinture de dynamite, à quoi va-t-elle servir à des morceaux de rêve, éclats de rire. Parfois je me demande comment ça va finir. Dans la passoire de l'existence, noyé dans la foule à quatre pattes, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Sois devant, ne pas tourner la tête, c'est nous le changement. Il suffit d'être honnête, voir un peu plus loin que ta fenêtre. Le monde est en mouvement, il arrive en tempête. Loin, les rois, les tyrans, les prophètes, libres de nos carcans, à nous la reconquête vient. Des quatre coins de la planète, l'avenir maintenant, c'est de toi qu'il dépend.